qui change des petits challenges. Non, je vais pas tout perdre. Ok, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un mode à peu près fun. Donc attendez, voilà, on va le faire dès maintenant. En gros, un petit challenge que je vais me lancer, ça va être de jouer quand troisième personne. Donc oui, on a utilisé un mode menu parce qu'on est obligé. Hein. Enfin, en gros, j'ai demandé à un pote qui fasse un... Putain, ça va être chaud déjà. Oui, on va y aller au couteau. J'ai demandé à un pote qui me crée un petit mode pour justement, pouvoir... Putain, j'avais oublié que c'était un timing. En plus, que ma map était assez chaude, hein. Oh, je prends deux coups. Oh, oh là là, j'avais zappé. Oh. Putain, en vrai, c'est chaud parce que je comprends pas. Faut vraiment viser à la droite, à la verticale. Ouais, un petit mode. Je vais demander de créer un petit mode. Putain, en plus, il y a ça qui est augmenté en prix. De créer un petit mode pour justement nous mettre en troisième personne automatiquement. Sauf que malheureusement, il s'est chié, donc il l'a release. Il la release en tant que map et pas en tant que mode. Donc résultat, on pouvait pas lancer le truc. Mais pour les prochaines fois, ce sera ok. Dans tous les cas, pour l'instant, l'idée y est. L'idée de galère comme un porc y est. Alors c'est moins compliqué que le mode, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, en mode ultra hardcore. Oulala, on a eu la chatte. Par contre, ça fait vraiment bizarre. On a un putain de champ de vision. Encore plus grand que quand on a du FOV ou autre. Et on peut bien voir les grenades où elles atterrissent. Donc c'est vraiment ultra pratique. Attendez, en vrai, il va nous falloir une... Comment ça s'appelle? Daikiri. Enfin, Daikiri Shot. Parce qu'avec la vidéo auto, en vrai, il faut qu'on joue sur la vidéo auto aussi. Oula. Ou alors qu'on joue sur la vidéo auto. Hop, on a pris une petite Shiva. Oulala, 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 non, 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 ouf, on a eu de la shot. Ah, on n'a pas repris Quick Revive, c'est vrai. Oh là là, je vois mes balles qui partent partout. Je vois mes balles qui partent partout. Attendez, on va y aller comme ça. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas récupérer? Putain, c'est beaucoup trop dur. Épouse-moi. Ah oui, on est live aussi, comme d'habitude, hein. Et aussi, oui, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi on comment ça s'appelle. Je streamais pas sur YouTube. Bon, bonne occasion, c'est que j'ai un contrat d'exclusivité avec Twitch. En gros, j'ai dans mon contrat Twitch partenaire. J'ai pas le droit de stream sur d'autres plateformes que Twitch. Pour le stream, hein. Et résultat, YouTube, vu qu'ils font du stream, normalement j'ai pas le droit. Sauf que je l'avais fait pendant le bac parce que de un, ils le remarquent pas quand t'es un petit streamer comme ça, ils s'en battent un peu les couilles. Mais de deux, parce que tu leur fais pas perdre de l'argent fondamentalement beaucoup, tu vois. Et de deux, parce que je ne peux pas. Oulala, c'était compliqué. Putain, la machine de mort. Attendez. Regardez, mes balles elles sortent de ma bouche. Regardez ça! Mes balles sortent de la bouche. Mes balles sortent de ma tête en vrai, hein. C'est bizarre ça. Pourquoi elles sortent de ma tête? Ouais, et donc en gros, j'ai pas le droit normalement de stream sur d'autres plateformes. Ce que j'avais fait, c'était illégal. Mais ils s'en battaient un peu les couilles, donc pendant ma période de bac, là où ça m'a rangé, c'était cool quoi. C'était avantageux. Mais là maintenant on va éviter quoi. J'ai pas envie de perdre mon partenariat Twitch, etc. Ça me ferait quand même un peu chier. Par conséquent, on va rester calme. En vrai, regardez, les balles elles sortent de la bouche et pas de l'arme. Ah si, peut-être un peu là on a l'impression. Non, parce qu'on avait vraiment l'impression que ça sortait de la bouche. Tu pourras faire. Oulala. Faites gaffe parce que des claques. Le cracheur de balles de l'extrême, c'est ça. On n'est pas cracheur de fond, on est cracheur de balles. Tu vomis des balles.
Tu pourrais faire du H1Z1 ou du Player and No Battleground avec la team. Alors, Player and No Battleground, il faut savoir, on n'y joue pas. Pas parce qu'on n'aime pas, c'est juste parce que, enfin, on n'y a jamais joué, quoi. On l'a pas. Un chat, on l'a tous. Mais moi, j'y joue pas beaucoup en ce moment. C'est pas trop mon jeu qui me botte, quoi. Pas trop ma cam. On va l'activer le courant, comme ça on va pouvoir prendre double pont, double coup. Ah non, elle est tombée avec moi, putain. Est-ce que je peux les viser là ou vraiment pas? Ok, putain, c'est vraiment chaud, mais oui. Putain, c'est gay dur à orienter. Waouh. Football team person, yeah. Oui, c'est 3000, tu avais augmenté le prix. Ah ouais, ça, voilà, c'est 3000. Vite, faut qu'on arrive à clear. Non, on n'a pas eu le temps de bien clear. Alors attendez, on va essayer de se reprendre. Oh là là, quel PGM. Putain, par contre. Tendu en vrai. On a réussi à se reprendre quick revive déjà. Donc si on se prend un double claque, ce sera bon. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour bien les paquer. Ils étaient en train de plus bien se paquer, etc. Ça allait être relou, ça allait être relou. Je le sais, vous voyez, je connais bien les zombies. Oulala. Ouloulou. La famille, ouloulou. Ok. Là, on a pas mal de points. Putain, c'est chiant par contre de pas avoir les points. Résultat des prix de ce qu'on achète. Aïe aïe. Ça fait mal. Je vais peut-être prendre une boîte à 10, mais en vrai, vu qu'il y a qu'un seul emplacement de boîte. C'est tendu quoi. Allez vite. Ok. Je sais pas si je vise la tête hein. Bon, 23 headshots, je pense pas trop qu'on vise la tête. Je ne pense pas trop viser la tête. Oh là là. On voit les balles des fois qui partent vraiment n'importe comment. Hop, on a réussi à prendre ça. Prochain achat, double coup. Oh non. Oh non, j'ai vraiment le seum là. La machine de mort. Oh là là, j'ai eu peur. Allez, allez, il raide le sol. Aïe, non. Ok. Channeline, je prononçais le pseudo correctement. Lim02. Là. Tu stream jamais avec la team. En gros, je vous explique, la team, elle veut rec leur vidéo le soir. Et moi, le problème, c'est que le soir, je sors. Et donc, en gros, moi, le seul moment où je peux rec mes vidéos, c'est la journée. Et le truc, c'est que eux, la journée, bah, je sais pas, ils veulent pas rec. Donc, en gros, bah, je peux pas faire de vidéo avec eux la journée. Voilà. L'histoire de pourquoi la team... Donc bah vu que c'est que quand ça les arrange, bah moi je n'ai pas trop d'autres choix quoi. Donc je fais comme je peux. C'est pour ça que j'essaie de faire des petits trucs innovants à faire en solo. Qui changent des petits challenges. Non. Je vais pas tout perdre. Non. Non. On était trop bien. Attendez. On a tout mis à côté. C'est atroce. Par contre, il n'y a pas le noir et blanc résultat. Un petit bubblegum. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse ça sur d'autres maps. J'avais pensé le faire sur la map qui me faisait rager d'habitude. Ok, on va prendre ça. Ça nous permet de nous réanimer genre pendant au moins 4 rounds. Sans trop de problèmes. Ok, x2. On va essayer d'aller nourrir les puits d'âme avec ça. C'est bon, le mode fonctionne, je te renvoie le lien Discord. Ok, ça marche. Oulala, là là, par contre, ça c'est... C'est risqué, ça. Ok, bon, bah voilà, pour les prochaines fois, il y aura un mode. Que ça, si vous voulez essayer, il y aura un mode spécifique. Ce sera plus simple que de télécharger un mode menu, activer le truc. En plus, je sais pas, tu me diras, Alexis, mais est-ce que c'est le même axe de vue? Ah non, mais c'est le truc full bonus que j'ai eu. Oh! Mais ok! Oh là là, le débile! Oh, oh le débile! Mais quel débile je peux être des fois! Oh, oh là là! Mais vous me dites rien en plus, hein! Je vous dis c'est Near Death Experience, vous me faites. Vous me dites rien! Oula, par contre, là on a failli tomber.
On va ouvrir cette porte là. Drop là. Hop là. Parfait, comme ça. Bon là on va essayer de... Ah ok. Ah ok, non, ça veut juste utiliser un round, ok. Oh mais putain, ça fait vraiment spawn méga 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 d'atouts quoi. Genre c'est la plus des atouts quoi. Contre les bombes, ça c'est pratique ça. Ça pour aller faire des boîtes, ça. Starfull là, c'est pas mal. Hop, on va peut-être prendre courir vite. Mais bon, attendez, on va faire des boîtes avant. Allez, vite, 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 vite. Oh là là, la contrebandier. Non, j'ai oublié qu'elle était transparente. Ah, bien sûr, on en a fait une, hein. Starfull là. Ok, ok. On va se faire baiser, je pense, sur cette boîte. Oui, on s'est fait baiser, clairement. 950 qui viennent de partir en fumée. Give me that. Woulou. La panique, la panique. Pas de panique à bord. Et la vitesse d'abord. Putain, on a plus le truc par contre full bonus là. Ça c'est triste ça. C'est une grande perte pour l'humanité. Hop, on va faire vite les l'épidame pour qu'on puisse ouvrir la porte pour améliorer. Attendez, on l'a encore ou on l'a plus là? Regardez, mais je tire vraiment de la tête hein. Je suis un... Regardez, regardez. C'est mon front qui tire hein. Je suis réellement genre un dragon de balles. Un dragon de la mort parce que machine de mort, dragon, lol, MDR. Ça c'est drôle. Ok, on a eu l'atout. Quel atout bonus on aura? Oh, pas ça. Oh, bon. Oh, oh. 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 Oh, ouais, non. Tac. Pour remonter tout là. Ah oui, en plus, il y a mon super camoufleur. On va pouvoir le voir à la troisième personne. À la troisième personne. Attendez, là, c'est combien à la porte déjà? Je crois que 7500, hein. Je ne sais plus. Par contre, je sais qu'il y a un nounours à l'intérieur. Donc, on va faire tourner les zombies. Pour nourrir ce fameux nounours. Oulala. Par contre, on peut encore plus tourner, hein, je trouve. Hein. On a vraiment une... comment ça s'appelle? Bah, on a vraiment une vue de d'ensemble sur toutes les possibilités qu'on a, qu'on peut. Et résultat, bah, pour tourner... C'est vraiment beaucoup plus pratique, quoi. Ok, en fait, c'est une prise en main. Au bout d'un moment, on comprend après. On comprend, genre... comment le truc marche. Comment le truc marche. Après, c'est plus facile de situer, parce que maintenant qu'on sait qu'on crache de la tête, tu vois, les balles... déjà, c'est totalement what the fuck. Je sais pas si c'est un bug de la troisième personne, mais ça m'en a pas l'air. Hein, parce que quand même... ça a l'air d'être bien fait, tu vois, pour la troisième personne, quand même. Oh! Oulou! Attention. Ok, c'est bon, on a ouvert, ouais, c'était bien... Un prix exorbitant, hein. Pourquoi on a 2x2, wesh? J'ai l'impression que, par contre, depuis qu'on a mis le truc, c'est un peu... Un peu buggy, quoi. C'est le truc buggy, quoi. Tendu, tendu, tendu. On va croire, risquer, risquer, risquer. Ah! C'est shopping free, ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre avec? On va aller prendre quoi? On va prendre tous les atouts, hein. On va prendre tous les atouts. Surtout Daikiri. Surtout Daikiri, hein.
Hop. Ça ne marche pas de Play Ending, hein, au cas où, avec ça ne marche pas. Si vous posez la question, et normalement, de mémoire, l'ending c'est 50 000 sur la map. 50 000. Hop là. Non! Starfool là! Je devrais mettre PHD sur la map. Mais un gros prix, genre un. Un really high price. Non. On avait quoi comme arme? On peut pas avoir. 17 000 de PHD MDR. Là on a eu beaucoup de ouf de chance par contre. Jack, Siabel, les deux des RK. Ouais, tu pourras sauver qu'un seul problème. C'est quoi ces questions, wesh, les gens? Quelles sont donc ces questions? Bon, ça m'énerve, j'aimerais bien améliorer là. On va tous les faire paquer. En bas. Et on va les améliorer. Oh! Bah, on a fait mourir là, hein. Oh, tu as bien dit mon pseudo, tu es le premier. Eh oui. Hop là, on pack tout bien. Oh fuck. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On a fait le con là. Hein. On a fait le débile là. Hein. On a fait le débile, on est le con quoi. Hein. Oh là là. Pas ce que je voulais faire. Hein. Là, c'est fonction de la Near Death Experience. On va refaire pareil, hein. Jusqu'à avoir. On a eu quoi? Ouais, là, on peut avoir liquidation, immolation. Ou. What? On a Near Death Experience! À quel moment? Il faut avoir. Oh putain! Oh, j'ai joué trop calme! Dans ma tête, Near Death Experience marchait même. En gros, expérience de mort imminente. Marchait même si on n'avait pas de. De revive! Oh putain! Oh, fais chier! J'avais zappé cette possibilité!